pour une nouvelle vidéo. Donc, exceptionnellement aujourd'hui, il n'y aura pas de Monday's Lipstick, hein, vous vous en doutez. Je me suis pas juste oubliée sur l'highlighter. J'avais envie absolument de vous faire cette vidéo qui tourne pas mal en ce moment, qui est le Full Face Highlighter Challenge, qui a été repris par Nikki Tutorial et Jeffree Star, mais en fait il a été créé par une youtubeuse, je crois, qui vit à Dubaï, qui s'appelle Maria, que je vais vous remettre, je vous remets les trois vidéos dans la barre d'infos, parce que alors, ceux de Jeffree Star et Nikki Tutorials, oh my god, ils sont magnifiques, surtout celui de Nikki Tutorials, j'ai une petite préférence, bref, et j'ai tellement eu envie de refaire ce truc déjà, parce que je voulais vous faire une sélection de rouge à lèvres estivaux, et vu le temps, voilà quoi, en tous les cas aujourd'hui, donc on est vendredi, voilà quoi, non, ça me donne pas envie de vous montrer des rouges à lèvres estivaux. Et puis quand je l'ai vu, franchement, mais je suis tombée mais tellement red dingue de ce tag, il m'a tellement fait rire que voilà, j'ai eu envie de vous le faire. Le tag consiste donc à faire tout votre make-up habituel, fond de teint, poudre, blush, highlighter, bronzer, les yeux, les ombres à paupières et si possible les lèvres, avec que des highlighters. Et je vais vous dire que j'ai sorti, alors moi qui suis une grande fan d'highlighter en plus, c'est-à-dire que je me restreins à pas en acheter, alors que le truc, t'es censé en mettre une pointe sur les joues, il te dure 15 ans. Je me suis quand même vraiment éclatée, j'ai ressorti tout le monde, là tout le monde y est passé, je crois que j'ai utilisé presque tous mes highlighters. Presque. Je me suis mais éclatée à faire ce truc. Et contrairement à ce que je pensais, alors vraiment, c'est-à-dire que je pensais qu'au bout de deux highlighters, c'est-à-dire celui que j'ai mis en fond de teint, plus celui que j'ai mis en poudre, je pensais qu'après, les différences entre chaque ne se verraient pas. Parce que ça reste quand même vraiment du glow, du glow, du glow. Et en fait, je dois dire que j'ai été épatée des différentes définitions, etc. entre chaque. Voilà, donc normalement, si vous me suivez sur Snapchat, vous avez déjà vu mon sublime fond noir. Donc qui est en fait un sommier que j'ai retourné, voilà, parce que j'avais pas de fond noir. Enfin bref, vous avez vu ça sur Snapchat. Et puis vous m'avez peut-être même vu comme ça, mais c'est pas sûr. Je vous laisse avec la vidéo, on va pas se retrouver après parce que j'ai pas grand chose à vous dire, à part que j'ai adoré faire ce truc, que c'était super drôle et que voilà quoi. J'ai fait plein de photos mais jamais je sortirai comme ça. On est bien. Non mais je préfère préciser, hein, parce que... non, c'est pas un tuto pour sortir, voilà. Donc on va pas se retrouver après le tuto, mais je vous fais plein d'énormes gros bisous. J'espère quand même que, grâce à ça, vous allez découvrir des highlighters qui peuvent peut-être vous plaire ou quoi, mais bon, je suis pas très sûre que vous les voyez vraiment comme il faut appliquer comme ça, mais enfin bon. Je vous fais plein d'énormes gros bisous, on se retrouve pour les Monday's Lipstick lundi prochain, et sinon pour une nouvelle vidéo beaucoup plus normale, mercredi. Bye bye. Oh, ça va être galère, je le sens aujourd'hui, hein. Quelle idée. Je triche un tout petit peu, mais comme je vous le dis, j'ai droit. Ouais, il faut unifier un petit peu tout ça quand même. Parce que là, il y a des traces, elles passent pas. Hein. Avec que des highlighters. Ça ne passe pas, ça ne passe pas. Mon petit correcteur de chez Kiko que j'utilise. Parce que j'ai pas l'habitude d'être derrière un fond noir. Devant un fond noir. Derrière un fond noir. D'être devant un fond noir. J'ai pas l'habitude d'être aussi loin. Mais je pense que ça va mieux ressortir. Un peu loin avec la grosse lampe bien sur moi. Voilà. Un tout petit peu de correcteur, même si c'est de la triche, ça va mieux. Et on peut démarrer. J'ai peur, mais j'ai trop hâte. Oh putain. Ouh, j'ai de la lumière. Oh là là. Vous avez compris pourquoi le fond noir ?
make-up et j'attends mon mec pour qu'il me dise ce qu'il en pense parce que je veux voir sa tête. Qu'est-ce que tu penses de mon maquillage? C'est un peu jaune. Juste jaune. Un peu doré. Ça te choque pas ma tête? Non, non, c'est comme tu fais des trucs différents tous les jours, non. On n'accepte pas. On dirait une princesse. Oui, c'est ça, bien sûr. Oui. Quand t'as besoin d'un fond noir, oui, on ne sait pas, voilà, hop, et que t'as oublié d'acheter tes fonds que tu dois acheter depuis 3 mois, mais que t'as préféré acheter du make-up, mais que là, oui, alors encore, hop, voilà, mais que là, tu te dis, il me faut vraiment un fond noir, qu'est-ce que tu fais? Tu retournes le matelas? L'envers du décor de YouTube, un beau fond noir.